Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog en Espagne. C'est le jour numéro 1. Et là, on prend l'avion. Je suis avec Erika et Nao. Et on va décoller bientôt. On est trop pressés d'être en Espagne. Il fait déjà chaud. Alors qu'on va Il fait déjà chaud. Du coup, voilà. Et j'espère que vous allez aimer ce petit vlog. Voilà, maintenant, on est dans le taxi. Il fait super beau. Et on est avec Erika et Anna. Là, on va aller à l'hôtel et on va décharger les sacs, les valises, chercher nos chambres et tout. Et après, on va aller promener un peu et manger parce qu'il est déjà 16h10. Oh, on est arrivé. Regardez, c'est beau. Hein. Salut. Oh, c'est trop beau là-bas. Là, c'est notre chambre. Du coup, moi je dors là, Erika là. Ouais. Là, c'est pour boire le thé et faire les soins le soir. Là, c'est le lit de Nao, bien sûr, le pire. Ouais. Là, c'est le lit de Anna. Le meilleur. Voilà, là, on a une petite table. Oh, j'ai peur. Je me dis, il fait flipper. Mais la fenêtre est ouverte. Ah, la fille t'entend. Et là, c'est la vue. Hola. Hola. Comment est-ce que ça? Est-ce que ça, c'est bien? Voilà. Voilà, le room tour est terminé. Du coup, là, on est au resto avec Lucie. On a commandé à manger. Moi, j'ai pris une salade avec Sophie, on a pris la même. Nao, elle a pris des pâtes aux fruits de mer. Erika, elle a pris du poulet. Et les autres, ils ont pris des pâtes. Voilà. Là, on attend le repas. Et on est en train de mourir de faim. Notre repas, regardez, j'ai pris une salade burrata. C'est trop bon, c'est voilà. Trop bon. Voilà, c'est la meilleure salade que j'ai mangée de ma vie, elle est trop bonne. Ouais, elle est meilleure que l'autre. Elle est super bonne, la burrata elle est incroyable. Bah là j'ai fait ma skincare, Nao aussi. Les filles là-bas elles font je sais pas quoi là, elles sont en train de regarder des TikTok. On boit notre thé. Et après, on va aller dormir. Ben là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup profité du soleil parce qu'on est arrivé, vous êtes déjà passé. Il n'y avait pas de soleil. Si, il y avait du soleil un peu. Un peu. Ouais. C'est juste ça partie vite vu qu'il y a eu le coucher de soleil et tout. Ben, on est arrivé tard aussi. On est arrivé super tard. Du coup, ben, on n'a pas beaucoup profité du soleil, mais demain, c'est la compète. Demain, on doit se réveiller tôt pour faire le chignon. Donc, trop le seum. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Là, on est avec les filles. Ah oui. J'ai fait les chignons tout le monde. Et là, on est super fatigués. Salut. Et aujourd'hui, c'est la sœur d'Erika. Elle a 11 ans. Et là, on va à la salle. Et voilà. Du coup, là, on va pour NJ. Et je vais essayer de m'entraîner et je vous filmerai. Bisous. Voilà, la première partie de la compète est terminée. Lia est arrivée 3e. Voilà. Anna était 6e. Et c'était les 6 premières qui avaient une médaille. Du coup, elle a eu une petite médaille. Erika, elle a eu son... Sa, montre. Elle a eu son écharpe. Parce que c'est la mini-miss de la compète. Avec sa couronne. Comme ça. Et Elena. Je sais pas, t'étais... Je sais pas. Et Elena, les premières. Voilà. Du coup là on a fini de manger, il y a plein de soleil, regardez. C'est trop chaud, trop voilà. Chouette. Ouais, il fait super chaud par contre, vraiment. On peut même venir avec des shorts. Ouais, et du coup les filles elles sont rentrées à l'hôtel avec les mamans et tout. Et nous on va à la salle pour faire le chignon avec Sophia et son maquillage. Voilà. On a assis ça. Attention. Voilà. Du coup là on est devant la salle, le ciel il est super beau, regardez. Et c'est bientôt à Sophia de passer. Donc là, on attend et j'espère qu'elle va bien faire. Du coup, on est au restaurant de sushi pour l'anniversaire d'Erika. Et bon, j'ai mangé. Imaginez, ils ramènent un gâteau ici. Voilà, moi j'ai pris des sushis au poulet. Lia, elle a pris des sushis qu'elle aimait pas, elle dit pas, elle a mangé. Ouais, je mangeais plus. Et tout le monde a sauté sur ses sushis. C'est trop bon. Regardez comment je suis
Mmh. Désolée, j'ai pas pu vous filmer parce que mon tas était plat, mais Sophia, elle a été première. Coucou. T'as mis trop fort. Je suis fière de moi. Voilà, c'est bien, Sophia. Et nous, là, je suis au bord de la fenêtre. On n'arrive pas à ouvrir, j'ai trop chaud. Et je bois un jus d'orange avec un yaourt parce que j'ai pas déjeuné ce matin et du coup, j'ai un yaourt encore pour maintenant. Et voilà, voilà. Là, on regarde la mer, on écoute les vagues. C'est trop satisfaisant. Je sais pas si vous entendez. Yeah, ah, dégoûtant. Voilà. C'est mais super beau. Si coucou, aujourd'hui, c'est le jour numéro 3. Déjà ? Déjà, fait déjà 3 jours. Voilà, Erika a officiellement 11 ans. Non. Du coup, là on a été déjeuner et maintenant on profite un peu. Il fait super bon. De base on était là et on est là. Là pour ouais. Vivre en fait. Maintenant on est ici. Je sais pas comment tu me regardes. On regarde la mer et après on va aller à l'hôtel. Ah non, on va aller au magasin acheter de l'eau et des trucs. On va reprendre des barres de céréales. Wow. Et voilà, c'est incroyable. Du coup là on a terminé notre entraînement. Nao elle est passée et là vu que c'est podium c'est à 18h, bah, on va attendre. Ça va, elle a bien fait, elle a juste fait une petite perte à la fin, dommage son roulement. En plus, je me disais bien que c'était trop parfait. Ouais. À la fin, je voyais son sarto, je disais non, non, elle va réussir, c'est la fin. Et puis elle rampe et ping. Voilà. Et du coup, bah, là, on va aller promener, et voilà. Il fait super bon. Là, on est à la salle, on attend la cérémonie pour Nao, pour les podiums. Et il y aura le gala de Alexandra. Il y aura le gala de Alexandra, je dis. Le gala de Alina, Anastasia. Regardez, elle m'a signé. Partout en fait. Coucou, là on vient de partir de la salle. Les spectacles ils étaient incroyables. Incroyable. Ma voix elle est. Ouais, Erika elle a hurlé et rigolé pendant tous les spectacles. Et nous, j'ai fait une photo avec Anastasia Salos parce que Alina j'avais déjà une photo avec. Donc voilà, et maintenant au resto. Voilà, là j'ai eu mon place, un risotto à la pistache et au parmesan. Ah ouais, la pistache. La pistache, on dirait de l'avocat. Oui, oui, oui. Coucou. Il faut nous faire rire. Attends, il y a le vlog. Bah, je vais parler pendant longtemps. Coucou. Hein. Du coup, là, c'est la soirée pyjama. Moi, je fais ma skincare et eux, ils font des danses de corps. Oh, t'as des skincare. C'est pas moi. Ta skincare. Faut demander à Nao, elle adore faire. Coucou, du coup ce matin vous avez vu je faisais ma skincare et j'étais occupée à dire que c'était le jour numéro 4. Là on va de nouveau déjeuner avec les filles. Et aujourd'hui il n'y a personne qui passe, du coup c'est l'ISD d'Erika. Et malheureusement elle m'a réveillée ce matin. De toute façon Nao elle va m'envoyer la vidéo et je mettrai un extrait, vous allez voir. C'était violent, violent. Non. Elle lui a pas fait le temps. De base je voulais vous réveiller à 8h hein, mais après tu vois j'ai dit je suis sympa. Coucou, du coup là j'ai reçu mon repas. C'est une omelette épinard fromage avec mais c'est pas du fromage gras, c'est du fromage de chèvre avec du jambon et des concombres et des fleurs. Voilà. On a été à la plage, on a fait des TikTok et on a joué à des jeux et tout. Et maintenant, on marche pour faire du shopping. On va aller chez Alihop. On va aller chez Bershka. Bershka, mais c'est Bershka, ouais. C'est Bershka. Qu'est-ce que vous dites Bershka? Du coup, on a fait notre shopping. Ça, c'est mon sac. Super grand. Et sûr, il pèse 10 kilos là. Ouais, vraiment, il est méga lourd, on a acheté plein de trucs. Et on va aller boire et on va se poser. Et quand on sera en train de se poser, je vais vous faire un haul de tout ce qu'on a acheté. Poser. Poser. Après, j'ai une peur, je me dis, ouais, moi, moi si, ça va être une balance. Là, j'ai fini mon shopping, j'ai acheté. Et maintenant, j'ai de l'argent. Moi, j'ai pris un doudou crabe avec le sac. Vu que j'ai mon sac Dubaï, mais maintenant, j'ai mon sac I Love Spain. Attends, je peux voir. Et moi, maintenant, j'ai ça. Le petit chat vert. Et j'ai des nouvelles chaussettes. Cool, on est au resto. Et du coup, là, je vais faire le haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté le cadeau d'Erika.
chaussettes comme ça. Et avec le cadeau d'Erika, j'ai acheté ça pour elle et moi. J'ai acheté mon doudou crabe. Il est beau, hein. Ça, c'est mon doudou crabe, il est beau, hein. Vous avez vu, regardez. J'ai acheté pour moi et ma soeur un petit sachet Mickey et un princesse. Et il faut qu'elle choisisse lequel elle préfère et j'ouvrirai l'autre. J'ai acheté. Ah oui, c'était 5 euros, un 5 euros l'autre. J'ai acheté les Hugs, mais c'est des fausses, comme ça, en claquettes. C'était 16 euros, je pense. J'ai pris un sac, comme ça, Stradivarius, et il coûtait 6 euros. J'ai acheté un pantalon en satin. Ça, c'est un pantalon de chez Bershka en satin. Et il coûtait 9 euros. J'ai acheté pour Sophia les chaussettes Bob l'éponge. Pour Erika, les chaussettes comme ça, Bob l'éponge. Et pour moi, celle-là. Alors, j'ai acheté aussi un top comme ça, Bershka. Et il coûtait 4 euros. J'ai pris aussi un top comme ça. Le kaki, il est super beau. C'est un Bershka, j'ai payé aussi 4 euros. C'était les soldes. Hein. J'ai pris pour mon papa en cadeau des bâtonnets dansants. J'ai pris un love et un méditation. Et j'ai pris pour ma coque une cordelette. Comme ça. Elle coûtait 12 euros. J'ai pris ça, c'est des trucs pour mettre la corde, j'en ai pris deux au cas où ça se casse. Et des stickers pour décorer mes nouvelles coques que je vais commander sur Shein. Tu vas voir, je te montrer après. Bébé, je vous retrouve quand on mange. Tu vas manger, moi j'ai pris ça, c'est du saumon avec une patate et des légumes. C'est le poivron rouge, poivron vert et aubergine. Yummy, yummy. On s'est réveillé à 5h. Et vu qu'on s'est réveillé à 5h, bah j'ai pas pu finir. On a acheté les nouvelles lunettes. Ouais, on a acheté les lunettes du futur. Et du coup, j'ai fait ma compétition. J'ai fait cerceau avec une perte, un risque. J'ai fait ballon sans perte. Et j'ai fait massue avec deux pertes, un risque et une maîtrise. Elle était troisième place. Au ballon. Mais quand même, c'est déjà très bien. Ouais, ouais. Troisième, c'est déjà bien. Mais c'est la star. Ouais. Du coup, bah, au ballon, j'étais troisième. Et au total, j'ai été huitième sur 28 ou 29. Donc voilà, c'est quand même bien. Même si c'était pas ouf, c'était pas mal. Et Massu, c'était une nouvelle Corée, du coup, c'est pour ça. Et voilà, maintenant, on a la plage pour faire les photos avec ma médaille. Parce que voilà, ma médaille est magnifique. Regardez. Voilà. Et vu que j'ai gardé mon chignon, on va faire des photos à la plage avec ma médaille et mon chignon et tout. Voilà, voilà. Et j'ai mis ma nouvelle tenue. Mes claquettes avec mon pantalon et mon haut vert. On est arrivé. Il fait moins chaud qu'hier, mais il fait quand même beau. On a dit qu'on restera à la plage. On est à l'hôtel, là, dans le lit. On fait une sieste et on se repose parce qu'on vient de terminer notre valise pour demain. Regardez, moi c'est là. J'ai tout fini. J'ai réussi à faire tout rentrer même si c'était compliqué parce que on a acheté plein de trucs.
Ouais, on a dû être à 3 dessus pour la fermer, mais on a réussi. J'ai mis ma médaille là, pour l'instant. Et voilà, du coup, j'ai réussi à faire tout rentrer, heureusement, parce que je veux rien abandonner ici. Oui, je suis toute moche, mais c'est parce que je viens de prendre ma douche. Je me suis lavée et tout, et je me suis démaquillée. C'était horrible parce que j'ai pas de démaquillant, j'ai dû faire avec de l'eau et le peu de démaquillant que Sophia lui restait. Donc voilà, là on va faire une petite sieste et puis on va... Et puis on va aller manger et on va aller promener et on va aller à la plage. Et demain matin on ira encore un peu à la plage avant de partir. Voilà, le voyage touche presque à sa fin. Là on est à la fin du 4e jour si je calcule bien. Et je voulais absolument faire ça avant de partir. Je voulais rester sur la plage le soir, regarder les étoiles, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Du coup, hop, je descends juste là devant l'hôtel. Rester un peu près au bord de la mer sans les filles, please. Parce que, oh mon Dieu, j'en ai marre d'elles. Du coup, voilà, c'était un voyage très fatigant cette fois-ci. Les filles étaient souvent très fatiguées, etc. Du coup, bah... Là, vous me voyez pas trop parce que je descends à la plage. Chouette voyage, très fatigant. Je suis assez contente d'être arrivée troisième parce qu'on était beaucoup et j'y croyais pas vraiment. Du coup, c'est cool d'avoir pu avoir une médaille. Hop là. Voilà, on y est. Hop, je vais m'asseoir juste là. Bon, on voit pas du tout, mais c'est là dans les rochers, quoi. Et regardez la mer. Voilà, bisous. On se retrouve demain pour le dernier jour. Et on prépare tous nos affaires pour partir. Moi j'ai terminé. Nao, comme d'habitude, il reste 15 minutes et il y a encore plein de bordel. Du coup, voilà, moi mes affaires elles sont là et elles sont toutes bien faites. Je suis la seule qui a mes affaires bien rangées. Coucou, là on est au déjeuner. Moi j'ai pris un pancake au Kinder avec Elena. Elle a pris des œufs brouillés, elle a pris un yaourt et elle a pris un grand pancake que pour elle. Je sais pas si elle va le finir, je suis sûre que non. Mais si, si c'est bon, moi je le mange. Hein. Je suis sûre que tu finiras pas. Je suis sûre que tu finiras pas. Non, si je veux. Elle a pris comme toi hier. Elle va pas finir. Hein. Et toi, tu te remballes pour les deux partout. Ouais. Et voilà, là on attend les plats et après je vous refais. Verdict. Je vais plus. Vas-y, dis-le. T'avais raison. Ah là, elle a pas fini. Et moi j'ai tout fini. Et moi aussi. Hein. Et elle, voilà. Que mes fruits. Ouais, voilà. Moi j'ai tout mangé. Voilà, là c'est la fin. On est dans le hall avec les bagages. On va partir. On est trop triste. Une. C'est de la terre, de la plage. Donc voilà, on va prendre le taxi et puis on y va. Voilà. Voilà, on est dans l'avion. Retour vers la Belgique. On est trop triste. On est super fatigué. On a pris le taxi et après... j'ai dormi pendant tout le trajet dans le taxi. Et après, on est arrivé à l'aéroport. On a mis les valises en soute. Du coup, là, j'ai juste mon sac SPSM avec. Elle est là. Et voilà. Du coup, là, on va bientôt décoller. J'ai pas envie. Ça, c'est la fin de la fin.